1 000 $, c'est le cap qu'a passé l'action Supermicro Computer jeudi dernier, avant de chuter brutalement de plus de 25% pour clôturer à 803 $ vendredi. Supermicro, c'est une société californienne spécialisée dans les serveurs et solutions de stockage à haute puissance de calcul. Ces technologies d'intelligence artificielle ont fait d'elle une des nouvelles coqueluches du marché, aux côtés de Nvidia notamment. Fondée en 1993 et introduite en 2007 à environ 8 $, l'entreprise affiche une croissance régulière jusqu'en 2023, avec plus de 850% de hausse sur 16 ans. Depuis, c'est l'explosion, plus 850% depuis début 2023 et plus 180% depuis le 1er janvier. La société tire profit de la croissance des investissements des entreprises en infrastructures de stockage et de ses partenariats avec des groupes de renom tels qu'Intel et Advanced Micro Devices. Son chiffre d'affaires a gagné 40% entre 2022 et 2023 et devrait croître d'au moins 100% cette année, la direction entrevoyant même une croissance de 250% pour le porter à 25 milliards de dollars. Le résultat net a gagné 125% et devrait encore s'octroyer 80% cette année. Mais la semaine dernière, après sa dernière flambée, les investisseurs l'ont jugé trop valorisé, plus de 50 fois les bénéfices estimés, et ont pris leurs gains, provoquant le repli brutal du titre.